Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance Bikini Act ici numéro 5. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va exploser le petit gras de ventre qui se trouve en dessous du nombril. Je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à le connaître celui-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va alterner des phases de gainage et de levée de jambes, le tout en 10 minutes seulement. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. On va donc se positionner en gainage de face. On commence par du gainage, on part pour 30 secondes, c'est parti, on attaque directement, on perd pas de temps, ça va être 10 minutes intensif, mais il va falloir tout donner et être rapide sur l'enchaînement des exercices. Donc là, gainage de face, comme d'habitude, les fesses et le bassin rentrés, on a les fesses au niveau des épaules, on n'est ni les fesses en l'air, ni le dos creusé, on est bien gainé, on se fait pas mal au dos, on rentre ses abdos. On a tout le corps qui est solide et on va passer maintenant dans 2 secondes à du gainage spider. Donc en fait, on vient ramener, comme vous le voyez, les genoux vers les coudes. Et alors là, je peux vous dire que ça intensifie l'exercice, mais bon, à mon avis, vous vous en êtes déjà rendu compte. Allez, on n'oublie pas de respirer, évidemment. On gagne bien son ventre, c'est que le début, c'est facile. Dans 10 secondes, on va passer à des mountain climbers sur les mains. On inspire et on souffle. Allez, 3, 2, 1, on monte, c'est parti. On inspire, on souffle. On respire bien, on n'oublie pas. 30 secondes également. Allez, on est au taquet, on donne tout. On inspire, on souffle, on gagne les abdos, on le sent direct, hein. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe maintenant sur le dos. On s'allonge et on va faire des ciseaux avec les jambes. Donc comme vous le voyez, moi je place mes mains sous les fesses. C'est pour en fait un petit peu contrebalancer ma cambrure et être plus confortable. Donc si vous aussi, vous avez le dos très cambré, c'est une petite astuce vraiment qui va protéger votre bas du dos. On inspire et on souffle. Bon, alors par contre, l'inconvénient, c'est que c'est pas très pratique pour regarder la montre. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au lever de jambes. On monte et on descend doucement. Et là, on part pour 1 minute. On inspire à la montée, on souffle à la descente. On monte de manière un peu plus explosive et on retient la descente. On garde les abdos gainés pendant toute la durée de l'exercice. On inspire et on souffle, on lâche rien, plus que 30 secondes. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Allez, plus de 10 secondes, on lâche rien, on inspire. Et on souffle. Allez, on lâche rien les filles de Jean. On passe maintenant à un exercice que vous connaissez très certainement. On va venir toucher les coudes vers les genoux. On inspire, on lâche rien, c'est dur. Allez. On lâche rien. Lâche rien. Allez, on enchaîne maintenant avec le petit vélo, donc ça c'est pareil. Donc le but, c'est pas de le faire en haut, hein. Si on le fait là, c'est quand même facile. Le but, c'est d'être quand même le plus bas possible. Allez, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On reste gainé. Bon, là, c'est dur de relâcher les abdominaux dans ce genre de position. Je vous l'accorde. Allez, on inspire, on lâche rien.
lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On repart sur des battements. Ah, ça brûle, hein? Ça brûle au niveau des abdos, du bas du ventre. Là, on va obtenir le fameux ventre plat. On inspire, on souffle, on lâche rien. Que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on se positionne en gainage. On tient les jambes en l'air. On inspire, on souffle, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour moi aussi. Allez, on lâche rien. On tient, on tient, on tient. On inspire. On souffle. Allez. On inspire. On souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, on repasse de nouveau de l'autre côté, c'est parti, on termine avec du gainage, c'est reparti, une minute maintenant de gainage, de face, on lâche rien, on inspire, on souffle, on a le bassin en rétroversion, je vous le rappelle à chaque fois, mais on a un petit peu tendance à l'oublier, c'est plus dur hein, le gainage, une fois qu'on a fait tous les levées de jambes juste avant, hein. Là on va taper direct dedans, on le sent, hein. Allez, on lâche rien. Il fait beau aujourd'hui. Il fait chaud aussi par contre. Hein. On transpire, mais c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on veut, alors on lâche rien. C'est dur, mais on n'a rien sans rien. Le bikini, c'est bientôt en plus. Donc c'est vraiment le moment ou jamais de se remettre un petit peu au gainage. Mais moi, vous le savez, j'en fais pas beaucoup durant toute l'année. Là, ça y est, j'ai repris un petit peu l'essence de gainage. Puis en plus, ça fait pas de mal, hein, loin de là. De manière générale, pour la forme, ça vous aide également pour tous les autres exercices, comme les squats, etc., au niveau de votre tenue et de votre position. Donc c'est vraiment indispensable d'en faire. Après, je ne suis pas la meilleure élève pour les abdos, hein. Je vous l'ai toujours dit, mais bon, personne n'est parfait. On lâche rien, on passe maintenant sur le côté. Hop, une minute également. On tient, on peut mettre son bras en l'air. On inspire et on souffle. Moi, vous le savez, le gainage latéral, il est beaucoup plus facile pour moi que celui de face. Je pourrais rester 5 minutes comme ça. Mais alors, celui de face, franchement, il est difficile. Vous, je sais pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez celui de face ou de côté. Parce que ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas de règle. C'est en fonction des aptitudes de chacun. Et je serais d'ailleurs curieuse de savoir, vous concernant, quelle est la tendance. Allez, on inspire et on souffle. C'est pas parce que je papote qu'on oublie d'inspirer. Allez, on a fait plus gros, plus que 15 secondes. On inspire. On souffle. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on passe de l'autre côté. Et c'est reparti pour une minute de gainage latéral de l'autre côté, évidemment. On inspire, on souffle. Moi, je ferme les yeux. J'étends mon épaule et mon bras vers le ciel. Ça nous permet d'être dans un mood un peu relaxation, yoga, etc. Vous voyez, ça fait passer le truc psychologiquement. On n'a pas l'impression d'être en train de souffrir la mort après 10 minutes de gainage. Allez, on inspire et on souffle, on lâche rien. On a fait la moitié. On tient, on lâche rien. Il ne reste plus que quelques secondes. C'est pas le moment de lâcher, ça c'est sûr et certain. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Hein. Allez, on inspire. Et on souffle. Allez, plus que 15 secondes, c'est la fin. On tient, on tient, on tient. Cette vidéo, évidemment, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Le gainage, ça fait jamais de mal, hein, on le sait.
Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Voilà les filles, les garçons, on a maintenant fini enfin ces 10 minutes d'exercice spécial bas du ventre et gainage de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos fitness sur ma chaîne. N'hésitez pas à la faire et à la refaire à volonté, évidemment. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.